Bonjour, je me présente, Nicolas Bourdon, professeur de clarinette à l'école de musique. Voici mon instrument, la clarinette. C'est un instrument à vent, puisque l'on souffle dedans, et de la famille des bois, car il est fabriqué en ébène. Ce bois africain est utilisé pour plusieurs instruments à vent, car il est très dur. Vous pouvez voir un système de clés qui permet de changer de notes. Pour faire fonctionner cet instrument, on utilise une anche en roseau que l'on place sur le bec. L'action de souffler va créer une vibration et produire un son comme celui-là. À quel âge peut-on commencer la clarinette? On peut commencer la clarinette à l'âge de 6 ans avec cette petite clarinette. Puis lorsque l'on grandit, on passe à la clarinette en ut que voici. Lorsque les mains sont assez grandes pour attraper les clés, on joue sur une clarinette adulte. Que peut-on faire avec une clarinette? Des sons graves. Des sons aigus. Des sons détachés. Des sons coupés. Et au contraire, des sons très liés. Tout cela permet de jouer des morceaux de caractères différents. Je pense que vous allez reconnaître ce que je vais maintenant vous jouer. Vous avez certainement reconnu la panthère rose. Un autre exemple. Quel est l'animal représentant la clarinette dans Pierre et le Loup? Avez-vous reconnu le chat? Voilà, j'espère que cette découverte de la clarinette vous a plu et je vous dis à bientôt.